Bonjour chers amis, dans la précédente vidéo, nous avions peint les éléments du cockpit, c'est-à-dire la peinture de base, ce qu'on pourrait appeler éventuellement un aplat, sur chaque pièce, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Nous avions abordé la technique de la peinture au pinceau, nous avions abordé aussi une partie de l'entretien du pinceau, mais nous allons approfondir cet entretien dans cette vidéo. Et nous avions vu aussi tout ce qu'il fallait faire pour homogénéiser la peinture, pour la mélanger, ce qu'on appellerait aussi l'agitation du pot. Effectivement, nous avions vu dans la précédente vidéo que si un pot est resté trop longtemps inutilisé, eh ben les trois phases de la peinture, c'est-à-dire le solvant, le liant et le pigment, se séparaient et le pigment se déposait au fond. Là, vous voyez, le pot est bien homogénéisé. Alors, nous avons vu plusieurs techniques. La technique la plus simple, c'était de secouer le pot. Si le pot n'avait pas été utilisé depuis longtemps, il fallait ouvrir le pot et enlever ce petit capuchon doseur et mélanger la peinture pour amener les pigments à la surface avec un mélangeur artisanal ou un agitateur artisanal. Ça pouvait être fait de façon plus efficace avec un mélangeur ou un agitateur Tamiya. Et cela se faisait très efficacement avec la partie qui contient la palette. Ce mélangeur a un prix tout à fait abordable. On a vu aussi que si on voulait augmenter l'efficacité de l'agitation, on enlevait aussi l'embout du compte-gouttes et on mettait des petites billes en acier à l'intérieur avec les réserves que j'avais émis. Et en dernier lieu, que vous ayez mis des billes ou non à l'intérieur, il y avait aussi un outil très pratique, l'agitateur électrique. On posait le pot, on appuyait et l'agitation se faisait automatiquement et la peinture était homogénéisée. Et en plus, s'il y avait des billes à l'intérieur, c'est encore plus efficace. Donc, si vous avez déjà utilisé le pot, il suffit de le secouer tout simplement. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, prenez un mélangeur d'abord. Ensuite, si vous voulez, vous mettez les billes, vous agitez ou vous prenez un agitateur. Mais si le pot a été stocké pendant très longtemps ou si vous venez de l'acheter, mélangez bien le pot pour amener les pigments à la surface. Dans cette vidéo, nous allons donc faire la finition des pièces du cockpit. Effectivement, il y a certaines pièces du cockpit, comme les hémifuselages que nous avons peints en bleu-gris, qui correspond à peu près à l'aplat. Il y a des parties qu'il faut peindre en bleu, en rouge, en jaune et en noir. Il y avait aussi une pièce que l'on n'avait pas peinte, c'est le manche à balai qui est composé de trois couleurs. Je vais donc considérer que cela fait partie de la finition. Comme dans la précédente vidéo dont vous trouverez le lien en haut et à droite de l'écran ou dans la description, j'ai fait une session pour la finition de chaque pièce du cockpit. Normalement, cela se fait en une seule session, mais dans notre cas, à chaque pièce, je vais approfondir la peinture au pinceau et l'entretien du pinceau. Donc, je vais enlever au montage les délais de 24 heures entre chaque session pour faire cette présente vidéo. Générique. Nous allons donc commencer par peindre le manche à balai. Si l'on regarde les instructions pour le manche à balai, une partie doit être peinte en noir, une partie doit être peinte en blue-gray et une partie doit être peinte en marron. Pour le noir, on en avait. Pour le blue-gray, c'est tout simplement la peinture qu'on a utilisée pour le cockpit. Mais pour le marron, imaginons que vous n'avez pas de pot de peinture marron. Faut-il acheter un pot de peinture marron pour peindre une toute petite partie de cette pièce? On peut mélanger les couleurs, mais il y a deux types de couleurs. Là, je vous présente ce qu'on appelle une synthèse additive. C'est tout simplement la couleur des lumières. Le bleu mélangé avec du rouge va donner du magenta. Le bleu mélangé avec du vert va donner du cyan. Le rouge mélangé avec du vert va donner du jaune. Et les trois couleurs mélangées vont donner du blanc. Il s'agit des couleurs de la lumière. Car bien évidemment, si vous mélangez en peinture du rouge, du bleu et du vert, cela va pas donner du blanc. Donc, c'est ce que l'on appelle la synthèse additive pour le mélange des lumières colorées.
J'ai photographié mon écran de télé de très près et comme vous voyez, cet écran de télé est fait de cellules bleues, vertes et rouges. Et c'est en fonction de l'intensité de la lumière que cela va donner une image en couleur sur votre télé. Donc, il s'agit de la synthèse additive. Maintenant, pour les peintures, il en est tout autrement. Certains peintres utilisent ce schéma-là pour leur mélange de peinture. Nous voyons le jaune, le bleu et le rouge, qu'on va appeler dans ce cas-là les couleurs primaires. Le jaune et le rouge vont donner une couleur secondaire qu'on appelle l'orange. Et par exemple, le jaune et l'orange vont donner une couleur tertiaire que l'on va nommer orange clair. Et ainsi de suite. Par exemple, le mélange de deux couleurs primaires, le bleu et le rouge, va donner une couleur secondaire qui est le violet. Et le mélange d'une couleur primaire qui est le rouge et d'une couleur secondaire qui est le violet, va donner un violet clair, qui est une couleur tertiaire. C'est un schéma qui est très pratique et qui est utilisé par beaucoup de peintres. Ce schéma est-il exact? Oui et non. Tout dépend de la définition que l'on donne au mot peinture au sens large. Je reviens sur la synthèse additive, c'est-à-dire sur le mélange des lumières colorées. On avait du bleu, du rouge et du vert. Le bleu et le vert donnaient du cyan, le bleu et le rouge donnaient du magenta, et le vert et le rouge donnaient du jaune. Pour les lumières, les couleurs primaires sont le bleu, le rouge et le vert. Et les couleurs secondaires sont le magenta, le cyan et le jaune. Or, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on voit apparaître comme couleur primaire? Le jaune, le bleu et le rouge. Or, le bleu et le rouge sont des couleurs primaires pour la lumière et le jaune est une couleur secondaire pour la lumière. Les couleurs primaires pour la peinture ne sont pas le jaune, le bleu et le rouge. Elles sont le cyan, le magenta et le jaune. Effectivement, dans le monde de la peinture, les couleurs primaires sont le cyan, le magenta et le jaune. Le jaune et le cyan vont donner le vert, le cyan et le magenta vont donner le bleu, et le jaune et le magenta vont donner le rouge. Et le mélange des trois couleurs primaires, jaune, cyan et magenta, vont donner en peinture le noir. Et les couleurs secondaires seront donc le vert, le bleu et le rouge. Alors quelles sont les couleurs primaires dans la synthèse additive pour les lumières? C'est ce que l'on appelle en peinture la synthèse soustractive. C'est pour ça que ce schéma n'est pas tout à fait exact, car il prend comme couleurs primaires le jaune, le bleu et le rouge pour la peinture, alors que pour la peinture, ça devrait être le jaune, le cyan et le magenta. Mais voilà, il y a une autre subtilité. Si au lieu de peinture, on parle de fluide, il y a deux types de fluide. L'encre qui va permettre d'écrire ou d'imprimer et la peinture qui va recouvrir. Or, dans le cas des maquettes, on utilise un fluide qui recouvre. Donc, c'est de la peinture. Et ce schéma est fait pour les fluides qui recouvrent, c'est-à-dire la peinture. Donc, en résumé, pour la télé, il s'agit de lumière et donc de synthèse additive. Et les couleurs primaires sont donc le rouge, le vert et le bleu. Donc les couleurs primaires pour la synthèse additive, comme par exemple la télé, sont le bleu, le rouge et le vert, avec comme couleur secondaire le magenta, le cyan et le jaune. Maintenant, pour l'imprimante, il s'agit de synthèse soustractive, avec les trois couleurs primaires, comme il est marqué sur les cartouches, le jaune, le cyan et le magenta. Pour l'imprimante, on a une couleur supplémentaire qui est le noir. Donc pour les encres, par exemple l'imprimante, les couleurs primaires sont le cyan, le jaune et le magenta. Et les couleurs secondaires sont le vert, le bleu et le rouge. Maintenant, si on quitte le domaine de l'encre qui est fait pour écrire ou pour imprimer, mais qu'on rentre dans le domaine de la peinture qui est fait pour recouvrir, et c'est le cas pour notre maquette, les couleurs primaires seront le jaune, le bleu et le rouge, qu'on retrouve facilement au pot de peinture. Pour la peinture, on peut utiliser aussi deux autres couleurs, le blanc et le noir. Donc pour la télé, on a trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le vert, et il n'y a pas d'autres couleurs. Pour l'encre utilisée dans les imprimantes, on a trois couleurs primaires, le cyan, le jaune et le magenta. Dans les imprimantes, on a aussi une cartouche d'encre noire. Pour la peinture, on a aussi trois couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Et on a le noir, mais on a aussi une couleur supplémentaire aussi qu'on peut utiliser, c'est le blanc. Donc, en ce qui concerne notre maquette, les trois couleurs primaires seront le jaune, le bleu et le rouge, couleurs qu'on pourra renforcer ou atténuer par adjonction de blanc ou de noir.
Donc pour la peinture, le jaune, le bleu et le rouge sont les couleurs primaires. Et le mélange du bleu et du jaune va donner du vert, qui est une couleur secondaire. Et le mélange du jaune, qui est une couleur primaire, mélangé au vert, qui est la couleur secondaire, vont donner une couleur tertiaire, qui est le vert clair. Mais pour le moment, cela ne répond pas tellement à notre question. Comment peindre la base du manche à balai qui est de couleur marron? Car on ne voit apparaître ici, nulle part, la couleur marron. Il existe des schémas plus complexes, mais pour le moment, on ne va pas rentrer dans cette complexité. Cela fera probablement l'objet d'un tutoriel dédié à la peinture. Quoi qu'il en soit, si vous avez ces trois couleurs dites primaires en peinture, une couleur rouge, une couleur bleue et une couleur jaune, ce que font les peintres habituellement, ils mélangent du rouge avec du jaune pour obtenir une couleur orange, comme cela est marqué sur ce schéma. Jaune et rouge donnent de l'orange et vont rajouter petit à petit une couleur bleue car la couleur bleue est dite dominante au mélange des deux couleurs jaune et rouge. Et en mélangeant bien, ils vont obtenir du marron et même plusieurs teintes de marron. Mais pour une si petite pièce, on peut faire encore plus simple. Si on a des couleurs de base comme le rouge et le noir, il suffit de mélanger le rouge et le noir dans de bonnes proportions pour obtenir une couleur marron. On va donc commencer par mélanger le rouge et le noir pour voir si ça nous donne une couleur marron satisfaisante. Comme ce pot n'a jamais utilisé, il va falloir utiliser un mélangeur pour amener les pigments à la surface. Donc comme d'habitude, je débouche le pot. J'enlève la pipette doseuse. Voilà. Le fait que vous vous salissiez les doigts, comme je l'ai dit, est un peu inévitable. Et je vais utiliser le mélangeur Tamiya côté palette. Et on remue comme ça, de telle manière de ramener les pigments à la surface. Vous le constaterez vous-même quand vous achetez un pot neuf de peinture acrylique, par exemple de type Vallejo, les pigments sont déposés au fond du pot et au départ, c'est difficile de mélanger. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à retirer le mélangeur Tamiya. N'oubliez pas de le nettoyer immédiatement. Comme je l'ai déjà dit, pourquoi le nettoyer immédiatement? Si la peinture sèche sur le mélangeur Tamiya, après il va falloir gratter pour l'enlever. On va remettre la pipette doseuse et on va remettre le bouchon. Vous pouvez mettre ensuite à l'intérieur des petites billes, au maximum 2, pour faciliter le mélange quand vous allez secouer le pot. Que ce soit à la main ou de façon électromécanique, il faut le secouer au moins 4 minutes. Donc vous laissez secouer votre pot comme ceci pendant 4 minutes. Dans la précédente vidéo, nous avions déjà homogénéisé notre pot noir et nous l'avions secoué. Nous allons le secouer à nouveau. Donc ce pot a été déjà homogénéisé, il n'a pas été stocké depuis longtemps. Et une fois que les deux pots sont homogénéisés, on va préparer le mélange. J'ai préparé deux pots d'eau et la palette, ainsi qu'un pinceau fin. On avait utilisé pour peindre les éléments du cockpit un pinceau brosse. Donc, comme on va utiliser une pièce extrêmement fine, on va prendre un pinceau pour peindre les détails. Là, c'est un pinceau 2-0, mais vous pouvez prendre un pinceau 1-0 ou un pinceau fin. Quel qu'il soit, le pinceau que vous avez sous la main, pour pouvoir peindre les détails, il vous faut un pinceau, cette fois-ci avec une pointe et non un pinceau brosse. On va donc procéder au mélange. Donc, je vais mettre une goutte de peinture rouge et un petit peu moins d'une goutte de peinture noire, mais que je mets à côté. Et on va commencer notre mélange avec la cuillère du mélangeur Tamiya entre le rouge et le noir. Comme vous voyez, ce n'est pas très satisfaisant. On obtient un marron très foncé. On va donc rajouter un peu de rouge.
Et là, effectivement, on obtient notre marron. Essuyez tout de suite le mélangeur Tamir. Comme vous le constatez, j'ai perdu le manche à balai. Dans ce cas-là, surtout, ne vous démoralisez pas, ne vous énervez pas, ça ne va pas vous faire retrouver le manche à balai. J'ai cherché un petit peu, je n'ai pas trouvé, je me suis reposé, et puis j'ai cherché à nouveau dans la pièce. Comme vous le constatez, la pièce est grande, mais après m'être reposé, et après avoir consacré mon temps à autre chose, c'est-à-dire ne pas se fixer sur la pièce perdue, je l'ai recherché à nouveau. Et comme vous ne le voyez pas, la pièce est là. Je vais m'approcher tout doucement, et j'ai enfin retrouvé le manche à balai que j'ai reposé sur son support. Mais avant de préparer le mélange pour le manche à balai, je l'avais mis sur du patafix et dès que je vais peindre, comme vous voyez, ça va bouger un petit peu. Donc il va être préférable de l'enlever et de peindre l'extrémité en marron qui est en bas en tenant l'autre extrémité avec les doigts. Donc on va peindre l'extrémité inférieure du manche à balai en marron. Avant, on mouille le pinceau. Plongez jamais un pinceau sec dans la peinture, ça peut casser les poils du pinceau. Je vous donne une image simple, quand vous faites un shampoing, vous mouillez d'abord les cheveux et après vous mettez le shampoing. Vous mettez rarement le shampoing sur vos cheveux secs. Pour la peinture, c'est pareil, les poils du pinceau, c'est vos cheveux, la peinture, c'est le shampoing, donc on mouille les cheveux avant de tremper dans le shampoing. Donc, pour ce qui nous concerne, on va tremper les poils du pinceau avant de les plonger dans la peinture. On étale bien, même si on plonge dans l'eau, seuls les poils de surface vont être mouillés, pas les poils en profondeur. Donc il faut mouiller tous les poils du pinceau. Ensuite, on plonge notre pinceau dans la peinture marron que nous avons créée et on décharge. N'oubliez pas de décharger, sinon vous allez avoir une grosse flaque. Et on va commencer à peindre notre extrémité inférieure du manche à balai. On le peint des deux côtés. Comme vous voyez, j'ai déchargé le pinceau, il y a quand même une flaque. Donc je vais décharger le pinceau sur un sopalin. Et on va repasser le pinceau sur la pièce que l'on a peinte. Et là, comme vous voyez, on retrouve les reliefs de l'extrémité inférieure du manche à balai. Je vais à nouveau décharger sur du sopalin. Et voilà. Une fois que j'ai fini, pour pouvoir le poser, je vais sécher cette pièce au séchoir. Voilà, j'ai mis la pièce au séchoir, elle est sec et je vais pouvoir la poser tranquillement. Car il y a encore deux autres parties à peindre. La partie du milieu du manche à balai qui est en bleu-gris et l'extrémité supérieure du manche à balai qui est en noir. Donc nous n'avons pas fini de peindre le manche à balai et ne laissez jamais sécher la peinture entre temps sur le pinceau. Mettez-la dans un premier pot pour rincer. Il faut bien rincer tout ce qu'il y a sur le pinceau, et ensuite vous plongez votre pinceau dans de l'eau claire. Normalement, si vous avez bien rincé, l'eau claire reste claire. Comme vous voyez, ce pinceau est très fin, et si vous laissez sécher la peinture dessus, la résine acrylique va durcir, et pour l'enlever, il va falloir gratter, et ça va abîmer les poils du pinceau. Et on va pouvoir maintenant peindre une autre partie du manche à balai en bleu-gris. On a donc peint en marron l'extrémité inférieure du manche à balai, et on va peindre en noir l'autre extrémité, et le milieu du manche à balai devra être peint en bleu-gris. Nous voyons qu'une partie du marron a débordé un peu sur la partie à peindre en bleu-gris. Il semble être d'une autre couleur, mais là c'est dû à des effets de lumière. Nous allons donc prendre la peinture bleu-gris. Cette peinture a déjà été homogénéisée avec le mélangeur Tamiya et on a mis deux petites billes à l'intérieur. Dans la précédente vidéo dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Donc il n'y a pas grand chose à faire, juste à secouer un petit peu le pot 3 minutes pour homogénéiser brièvement la peinture car elle a déjà été homogénéisée fortement. Donc vous secouez pendant 3 ou 4 minutes. Comme vous pouvez le constater à un grossissement normal, cette taille de 0 est vraiment très fine. Mais si nous comparons la taille du pinceau en grossissement par rapport à la taille de la pièce, la taille du pinceau de 0 est assez importante. Donc sur le pinceau où il n'y a pas de peinture, je vais vous montrer, on va devoir peindre en bleu-gris de cette partie-là, parce que l'autre partie est en marron, jusqu'à cette partie-là. Comme la pièce est petite, je vais mettre juste une goutte de bleu-gris sans dilution. Voilà.
Et toujours pareil pour le pinceau, le mouiller avant. Bien étaler l'eau pour que tous les poils soient humides. Et tremper le pinceau dans la peinture non diluée, sans toucher la virole. Et surtout, comme on peut le voir à ce grossissement, il faut décharger le réservoir. Comme vous le voyez, le réservoir est déchargé, mais cela ne suffira pas. Pour une toute petite pièce comme ça que nous allons peindre, il vaut mieux aussi le décharger en partie sur un sopalin. Maintenant, comme la peinture de la pièce va être très délicate, je vais utiliser mon casque-loupe et je vous montrerai après comment j'ai peint la pièce. Car effectivement, si je déborde le bleu-gris sur la peinture marron artisanale que nous avons fait, nous ne pourrons pas la reproduire ou il faudra la refaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc peint la partie médiane du manche à balai en bleu-gris sans déborder sur la couleur marron. Et ensuite, j'ai fait sécher ceci au séchoir. Attention, quand vous faites sécher ce genre de pièce au séchoir, elle est tellement petite qu'elle peut s'envoler. Il ne reste plus qu'à peindre l'extrémité supérieure en noir pour finir ce manche à balai. Bien évidemment, rincez tout de suite le pinceau après l'utilisation de la couleur bleu-gris. Normalement, si vous le rincez bien, l'eau doit s'opacifier. Vous plongez le pinceau dans l'eau claire, qui elle doit rester claire si le pinceau a été bien lavé. Et posez votre pinceau en position horizontale. Dans la précédente vidéo, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description, on avait mélangé cette peinture noire avec un mélangeur artisanal qui était une grappe de maquette et on n'avait pas mis de billes en acier à l'intérieur. Donc on va rectifier tout cela. Donc, comme d'habitude, je retire le bouchon. Je retire le compte-gouttes. Et je vais plonger le mélangeur Tamiya avec la palette au fond du pot de peinture. Ça se fait tout seul puisqu'on avait déjà mélangé avec un mélangeur artisanal qui était un morceau de grappe et qui marche bien. Mais comme on a maintenant le mélangeur Tamiya, autant l'utiliser. Et comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez bien mélangé, ne laissez surtout pas la peinture sur les mélangeurs Tamiya. Essuyez-la tout de suite. Il ne doit apparaître aucune peinture. Ne laissez pas sécher, après vous serez obligé de gratter. Une fois qu'on a fait cela, on va faire ce qu'on n'avait pas fait dans la précédente vidéo. On va plonger deux billes en acier à l'intérieur. Et de une. Et de deux. On remet le compte-gouttes. On referme le pot. Et ensuite, vous secouez le pot énergiquement 3 à 4 minutes. Pour homogénéiser la peinture. Ensuite, on va faire de même, une petite goutte de peinture dans la palette. Le pinceau est déjà mouillé, donc on peut le plonger directement dans la peinture, non dilué, comme c'est une toute petite pièce. Ne pas oublier de décharger le pinceau et ne pas oublier aussi de le décharger sur le sopalin. Si vous ne faites pas ça, la pièce est tellement petite que ça fera une énorme goutte qui va descendre tout le long du manche à balai et qui va faire perdre les deux précédentes couleurs que l'on avait peintes. Je vais là aussi utiliser le casque-loupe. Et voilà, le manche à balai peint avec ces trois couleurs. Le marron, le bleu-gris et le noir. Pour le noir que j'ai peint en dernier, c'est pareil. J'ai utilisé le séchoir pour accélérer le séchage. Je rappelle que pour le séchoir, c'est température moyenne 15 à 20 secondes. Comme toujours, rincez bien le pinceau. Ne le laissez pas sécher avec la peinture. Et rincez-le dans l'eau claire. Et si vous l'avez bien rincé, l'eau claire reste claire. Dans la précédente vidéo, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo dans la description, je vous avais parlé de l'entretien du pinceau et je vous avais dit qu'à la fin de session, il fallait le rincer au lavabo dans de l'eau froide, surtout pas de l'eau chaude car ça peut rentrer dans la virole et décoller la colle qui lie les poils du pinceau. Mais maintenant là, on va avancer d'un pas, on va laver le pinceau avec certains produits. Il y a plusieurs produits. Là, je vous montre le premier, le plus classique, mais je vous en montrerai d'autres par la suite. C'est une sorte de savon qu'on trouve à l'intérieur et vous allez tremper votre pinceau en le tournant. Pour bien l'imprégner de savon. Comme vous voyez ici, il y a des traces noires qui apparaissent. Donc ce produit est très utile pour laver le pinceau. Après, ce qu'on va faire, on va le laver au lavabo. Donc on met le pinceau sous le lavabo.
Et pour enlever le savon, on va mettre le pinceau sur le gant et le tourner de cette façon. En même temps, vous nettoyez le savon et vous le tournez. Ceci est à faire en fin de session et pas en milieu de session. Au milieu de session, vous vous contentez de le rincer. On fait glisser et on tourne en même temps. Et là, votre pinceau sera bien entretenu. Il y a encore un stade d'entretien supplémentaire, mais je vous le montrerai plus tard. Comme vous le voyez, non seulement notre pinceau est parfaitement propre, mais en plus nous avons reconstitué la pointe du pinceau, ce qui est très important. Pour la finition des pièces du cockpit, on va faire notre premier effet qui est l'éclaircie, c'est-à-dire qu'on va éclaircir les arêtes. Cette éclaircie fait partie d'un effet plus général qui associe l'ombrage des creux et l'éclaircie des arêtes. Dans ce tuto, on ne va pas faire l'ombrage des creux, je vais expliquer un peu plus loin pourquoi. On va juste se cantonner à l'éclaircie des arêtes. Mais je vais quand même parler de l'effet qui associe l'ombre à l'éclaircie. Pour l'éclaircie, on va d'abord le faire au pinceau. Et ensuite, on abordera la technique qui est le dry brush, qui en français se nomme brossage à sec. On obtient les ombres par plusieurs techniques, ça porte plusieurs noms, le lavis, le jus, le wash, le shad, le panel line. Ça consiste tout simplement à mettre sur la maquette une sorte de peinture très diluée qui va s'insinuer dans les creux. Et après, il s'agira de nettoyer le surplus et laisser justement cette peinture très diluée au fond des creux qui va permettre d'ombrer ces creux. Alors pourquoi je n'aborde pas dans ce tuto la technique de l'ombrage? Parce que tout simplement, pour faire un lavis ou un jus, les maquettistes généralement vernissent la peinture avant de faire le lavis ou le jus. Et comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description, dans ce tuto débutant premier niveau, on ne fera pas de vernis. Mais en théorie, on pourrait se passer de ce vernis, car en peinture, il y a la technique que l'on appelle généralement gras sur maigre. Ça veut dire quoi? Si je prends comme exemple la peinture glycérophtalique, elle est composée de solvants organiques qui sont dits gras, alors que la peinture acrylique à l'eau a comme solvant l'eau qui est dit maigre. Et on peut mettre sur une première couche de peinture acrylique à l'eau une peinture glycérophtalique. Donc on pourrait faire tout à fait un lavis glycérophtalique en prenant des tubes de peinture à l'huile ou en prenant de la peinture énamel. Le problème est que pour ce type de peinture, il faut les diluer avec des solvants organiques. Par exemple, si vous utilisez des tubes de peinture à l'huile, il faut utiliser de l'essence, généralement de l'essence F ou de l'essence à briquet. Ou si vous prenez de l'énamel, il faut utiliser du white spirit. Or, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos dont vous trouverez le lien haut et à droite de la vidéo ou dans la description, dans ce tuto débutant premier niveau, on n'utilisera ni d'essence, ni de white spirit, ni de peinture à base de solvant organique, tout simplement parce qu'il faut une protection. On pourrait effectivement faire des petits lavis en laissant juste la fenêtre ouverte, mais pour le moment, on va s'en tenir à ne travailler qu'avec de la peinture acrylique et comme solvant de l'eau. Comme nous le voyons sur cette pièce peinte du cockpit, il serait très intéressant d'utiliser la technique d'éclaircissement au pinceau sur certaines arêtes. Nous voyons qu'il y a deux arêtes ici, il y a quelques arêtes là. Sur cet hémifuselage, nous voyons qu'il y a aussi beaucoup d'arêtes. Donc nous allons commencer par éclaircir certaines arêtes au pinceau. Et quand il y a beaucoup d'arêtes, nous allons essayer de faire ça avec la technique du dry brush ou du brossage à sec. Pour éclaircir les arêtes, il va falloir éclaircir la couleur bleu-gris. Donc, il va falloir un pot de couleur blanche ou de couleur jaune aussi, c'est possible. Et il va falloir mélanger un petit peu de couleur blanche au bleu-gris. Comme ce pot n'a jamais été utilisé, on ne peut pas se contenter de le secouer seulement. Il faut l'homogénéiser avec un mélangeur. Vous connaissez la procédure. J'enlève le bouchon. J'enlève la pipette doseuse. Voilà. Et on va prendre notre mélangeur Tamiya et on va ramener les pigments à la surface. Ensuite, comme d'habitude, on nettoie immédiatement le mélangeur Tamiya pour pas que la peinture sèche dessus. Voilà.
Dans les pots de peinture sombre, j'avais mis des billes en acier pour faciliter l'homogénéisation de la peinture lorsqu'on secoue le pot. Comme je l'ai déjà dit, ces billes en acier dites inoxydables vont finir par s'oxyder car elles sont en contact avec le solvant de la peinture acrylique qui est l'eau. Donc, elles vont s'oxyder en présence d'eau et d'oxygène et le fer contenu dans l'acier va donner du Fe2+ qui est de couleur verte et comme l'oxydation va continuer, le Fe2+ va devenir du Fe3+, qui est de couleur rouge-brun, qui est la couleur de la rouille. Donc, c'est arrivé à certaines personnes, quand elles n'ont pas utilisé leur pot de peinture depuis longtemps, quand elles ont mis des billes en acier dans un pot de couleur claire, eh bien le Fe3+, qui est de couleur rouge-brun, a dénaturé la peinture. C'est-à-dire, si c'était un pot de peinture jaune, eh bien c'est devenu un petit peu orange. Donc, comme c'est un pot de peinture blanche, on ne va pas mettre des billes en acier. Dans les pots de peinture claire, je vous conseille de mettre des billes en verre qui, elles, ne vont pas rouiller et qui, avec le temps, ne vont pas dénaturer votre peinture. Donc, je prends la bille en verre et je la mets dans le pot de peinture blanche. D'habitude, je mets 2 billes en acier. Là, j'ai mis qu'une bille en verre, car les billes en acier, quand elles s'entrechoquent, il n'y a pas de problème. Mais les billes en verre, quand elles s'entrechoquent, il peut avoir des tout petits bris de verre microscopiques et c'est pas souhaitable. Donc, ne mettez qu'une bille en verre. Mais c'est très efficace pour le mélange. Donc, je referme le pot, j'ai remis le compte-goutte et je referme complètement le pot. Donc, il a été homogénéisé. On a mis une petite bille en verre à l'intérieur et là, vous pouvez le secouer pendant 3 ou 4 minutes pour finir l'homogénéisation de la peinture. Pour l'éclaircie, j'ai donc mis de la peinture bleu-gris avec une petite goutte de blanc. Car pour un éclairci ou par la suite un dry brush, il faut qu'il y ait une très faible différence de couleur entre l'éclairci et la couleur de base. Donc je prends mon pinceau, je le mouille comme d'habitude, j'étale l'eau et je vais aller chercher à faire l'éclairci. Voilà, je prends une petite goutte de blanc que je vais mélanger au bleu gris. Donc ça va nous faire un bleu gris un petit peu plus clair. Là j'ai mélangé directement avec le pinceau, j'aurais dû mélanger avec le mélangeur. Mélanger directement avec le pinceau, s'il est neuf, ça l'abîme. S'il est ancien, il n'y a pas de souci. Et là il faut faire très attention, il faut très bien décharger le pinceau. Et aussi très bien le décharger sur du sopalin. Et on va prendre notre pièce. Et on va appliquer notre éclairci bleu-gris sur les arêtes. Si ce n'est pas satisfaisant, vous pouvez continuer à éclaircir le bleu-gris. Maintenant, on peut faire aussi un éclairci sur les arêtes qui sont ici. Mais il faut bien nettoyer le pinceau. En fait, on va presque là faire du brossage à sec. C'est-à-dire qu'il n'y a que les arêtes qui vont être colorées en bleu-gris clair. Donc voilà, ici il y a des arêtes, ici aussi, voilà, c'est en surface. Comme vous voyez, on voit bien une différence de couleur entre la profondeur et la surface. Elle est légère, mais elle donne un effet de relief. Comme vous voyez ici, j'ai un peu débordé. Mais ce n'est pas grave, ça ne se verra pas. Mais sinon, vous pouvez toujours prendre du bleu-gris et repasser dessus. Mais comme là, ça ne se verra pratiquement pas, ce n'est pas la peine. Donc, on a éclairci les arêtes. Voilà, cette technique n'est pas du dry brush. On a éclairci les arêtes au pinceau. Maintenant, on va voir le dry brush.
Entre-temps, comme d'habitude, le pinceau qui a servi, lavez-le dans un premier pot d'eau et rincez-le dans l'eau claire. Et posez-le à plat jusqu'à la fin de la session. Maintenant, on va approfondir l'éclaircie en abordant le dry brush. Là, cette fois-ci, je vais prendre un pinceau brosse de taille 5, ce qui correspond à peu près à la taille du fuselage de l'avion. Et on va faire le même mélange. Ne pas oublier de plonger votre pinceau dans l'eau avant de le plonger dans la peinture. Et bien mouiller tous les poils. Donc, on va homogénéiser notre mélange de bleu-gris et de blanc. Donc nous voyons par rapport à la couleur bleu-gris qu'on a un bleu-gris clair. Comme d'habitude, nettoyez immédiatement votre mélangeur. Voilà qui est fait. Et là, cela va être très délicat. On va plonger notre pinceau dans notre bleu-gris clair, faisant attention de ne pas toucher la virole. La peinture n'est pas diluée. Si elle était diluée, elle s'infiltrerait dans les creux et on n'obtiendrait pas notre éclaircie. Et là, on va bien nettoyer notre pinceau. Brossage à sec, donc il faut que le pinceau soit pratiquement sec. On peut dire qu'il est pratiquement sec. Donc on va appliquer notre pinceau sur le fuselage, mais de façon très légère. Ne pas appuyer sur tout pour que le gris clair se mette juste sur les arêtes. Le mieux est de faire ça en transverse. Comme vous le constatez, on a apparition du bleu-gris clair avec au fond le bleu-gris foncé. Alors ici, ce n'est pas très bien puisque le bleu-gris clair s'est insinué dans les creux. Mais comme je l'ai dit, là où le gris clair s'est mis dans les creux, vous pouvez toujours le rattraper en repeignant. Ce n'est pas un problème. Donc, on va poser notre pinceau en transverse pour juste éclaircir les arêtes et éviter de toucher les creux. Et tout cela très légèrement. Comme vous voyez, du bleu-gris clair est apparu sur le bleu-gris foncé sur les arêtes et cela donne beaucoup plus de relief. Voilà, j'ai continué et nous voyons du bleu-gris clair avec au fond le bleu-gris foncé. Et ça donne beaucoup plus de relief à la maquette et beaucoup plus de réalité. Maintenant que cette session pour le dry brush est terminée, nous allons utiliser le produit pour laver le pinceau. Le plus connu est The Master Brush Cleaner. Mais il y en a d'autres que je vous présenterai. Comme je vous l'ai dit, plongez bien votre pinceau dans le savon. On voit apparaître du bleu-gris. Donc c'est tout simplement le pinceau qui est en train d'être lavé. On lave notre pinceau. Il y a de plus en plus de traces. Comme vous voyez, s'il n'y avait que le rinçage, ça n'aurait pas suffi. Ce lavage est très très important pour entretenir vos pinceaux et pour qu'ils aient une durée de vie la plus longue. On va faire pareil avec notre petit pinceau qu'on a utilisé aussi pour faire les éclaircies. Là, c'est un peu différent. Si vous le lavez, il faut le tourner en même temps. Comme vous voyez, le pot est un petit peu sale. Rien ne vous empêche d'enlever ça avec du sopalin. Et il retrouvera sa blancheur. Et vous n'avez plus qu'à refermer le pot. Et maintenant, on va aller au lavabo rincer les pinceaux. On rince bien au lavabo les pinceaux qui ont été lavés. Pour finir le lavage, on peut effectivement utiliser notre main. Et en même temps, on reconstitue la finesse du pinceau brosse. Normalement, je fais ça avec des gants. On ne sait jamais, certains produits peuvent être allergisants et on peut être allergique à n'importe quoi. Pour le pinceau fin, c'est un peu différent. On va frotter sur la main et en même temps, on va tourner le pinceau. Ça va reconstituer la pointe. Une fois ceci fait,
Comme je l'ai dit, ne mettez jamais vos pinceaux avec la tête vers le haut, mettez-les avec la tête vers le bas, et si vous ne pouvez pas, mettez-les tout simplement à plat pour qu'ils sèchent. Une fois que vous avez fini votre session, pour les pinceaux fins, protégez-les bien en remettant leurs manchons en plastique. C'est pour ça qu'il ne faut pas les jeter. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher le dry brush. Comme vous voyez, la pièce a beaucoup plus de relief. Il ne vous aura pas échappé que le bleu-gris peut aller parfois dans les creux. Mais vous pouvez reprendre certaines parties où il y a des creux en repeignant en bleu-gris tout simplement. Mais vous pouvez aussi laisser, c'est ce que je vais faire, ça donne une modulation de couleur qui donne un aspect un peu vieilli au cockpit. Quand vous faites un dry brush pour éviter que ça aille dans les creux, votre mélange de peinture ne doit pas être dilué. Il doit être pur et en plus vous devez prendre votre pinceau et le nettoyer au sopalin comme si vous vouliez enlever complètement la peinture. C'est la définition du brossage à sec. Et surtout peignez en transverse des arêtes. Il existe des pinceaux spéciaux pour le dry brush. Je me suis cantonné au matériel de base, c'est-à-dire un pinceau fin et un pinceau brosse. Mais par la suite, l'utilisation de ce type de pinceau facilitera le dry brush. Comme nous le voyons, après un séchage de 24 heures, la pièce est bien en relief. Le gris clair a débordé un peu ici et un peu là, mais c'est pas trop gênant puisque ça ne se verra pas du tout. Pour l'autre hémifuselage, c'est la même chose. On voit très bien apparaître les reliefs, les arêtes claires et les creux sombres. Pourtant, on n'a pas fait de lavis. Maintenant, comme le dit la notice, il va falloir peindre certains détails en différentes couleurs. Comme vous le voyez, c'est extrêmement fin. Je vais donc choisir un pinceau 3-0. Cela va être extrêmement complexe de vous montrer cela à la caméra pour peindre, donc je vais utiliser le casque-loupe. Je prends donc un pinceau 3-0. Comme d'habitude, je le trempe dans l'eau avant. J'étale bien l'eau un petit peu partout sur tous les poils. Et je vais commencer à peindre en noir une des structures du cockpit avec le casque-loupe. Pour des structures aussi fines, n'oubliez pas de décharger le pinceau et même un peu sur le sopalin. Comme vous le voyez, ces structures sont très difficiles à peindre et ça a un petit peu débordé sur le bleu-gris. Dans ce cas-là, vous faites sécher la pièce au séchoir, prenez du bleu-gris et vous repassez le bleu-gris là où le noir a débordé. Là, vous voyez, on a passé du bleu-gris là où le noir a débordé et le résultat est impeccable. Maintenant, avec cet hémifuselage, on doit peindre aussi notre partie en jaune. Je rince le pinceau. N'oubliez pas, entre chaque peinture, si vous utilisez le même pinceau, de bien nettoyer, ne pas laisser sécher la peinture. Et on va utiliser le jaune. Et pour des structures aussi petite, vaut mieux ne pas diluer. Donc je vais peindre au casque-loupe l'autre partie de l'hémifuselage qui est à peindre en jaune. Je trempe le pinceau et surtout n'oubliez pas de décharger, sinon là ça va être très très embêtant, et même décharger un peu sur le sopalin. Et voilà donc la structure qui était à peindre en jaune. Comme vous voyez, c'est très très fin. Si vous essayez de peindre cette structure et que cela fait une grosse flaque, surtout pas de panique, vous mettez votre pièce sous l'eau et ça va enlever toute la peinture. N'oubliez pas que nous sommes sous peinture acrylique à l'eau. Vous rincez bien la pièce et toute la flaque jaune va disparaître. Vous faites sécher et vous repeignez. Comme nous le voyons, sur l'autre hémifuselage, il y a une petite structure à peindre en jaune. Vous voyez, yellow. Comme vous le voyez, c'est cette petite structure ici. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire en cas de catastrophe. Donc, je veux peindre ma petite structure jaune. Voilà. Et vous voyez, eh ben dans ce cas-là, pas de panique. Vous allez tout de suite rincer votre pièce à l'eau froide. On frotte juste avec le doigt, c'est tout. On va sécher légèrement avec du sopalin sans frotter. Puis on va sécher au séchoir, 15 à 20 secondes. Et comme vous le constatez, la couleur jaune a totalement disparu et vous pouvez reprendre votre pièce.
C'est le grand avantage de la peinture acrylique à l'eau, car le solvant est l'eau, donc il suffit de rincer. Mais il faut rincer tout de suite, car une fois que la peinture acrylique sèche, enlever la résine acrylique sera très dur. En peignant le cockpit, nous avons vu un des grands avantages de la peinture acrylique, c'est qu'elle se manipule facilement. En effet, il suffit de l'eau pour effacer une erreur, à condition évidemment de s'y prendre très rapidement, car la peinture acrylique, une fois qu'elle est séchée, elle ne peut plus se reprendre, mais tant qu'elle est humide, elle peut se laver à l'eau très facilement. Alors que si on avait pris une peinture laque, il aurait fallu un diluant cellulosique, et une peinture énamel, il aurait fallu du white spirit, ce qui aurait pas été très pratique, en plus de l'odeur que ça dégage et de la toxicité. Là, on a repeint la partie du cockpit qui devait être en jaune, sans débordement, et il n'y a plus qu'à faire sécher au séchoir. Voilà, au séchoir, cette pièce a retrouvé une partie de ses reliefs. Maintenant, il va avoir des câbles à peindre en noir. Voilà, là je viens de peindre des structures qu'il fallait peindre en noir. Il y a cette structure qu'il faut peindre en bleu. Comme nous le voyons, la structure a bien été peinte en bleu, ça a été plus facile car c'était un plus gros élément. Maintenant, il y a deux structures à peindre en argent, c'est les deux petites structures qui sont là-haut. Normalement, une des meilleures peintures pour peindre en aluminium, en argent ou en acier, c'est cette marque-là, A4 ou métal. Mais il faut utiliser du white spirit. Mais comme je l'ai dit, dans ce tuto débutant premier niveau, on n'utilisera pas de solvant organique, juste de l'eau. Et voilà, nous avons peint nos deux structures couleur métal. La dernière petite structure que nous devons peindre, que nous avons peint en bleu-gris, c'est à ce niveau-là, c'est à peindre en blanc. Nous avons peint en blanc cette partie de cette structure. Comme nous sommes à la fin de la session, n'oubliez pas de rincer vos pinceaux et de les laver. Pour le produit de lavage, ce qui est intéressant de noter, il y a marqué « nettoyant des pinceaux » et « préservation des pinceaux ». Et on n'avait pas abordé la préservation des pinceaux, mais pour les préserver, quand vous le mettez dans ce produit, vous pouvez en laisser un petit peu en faisant la pointe et ce produit disparaîtra lorsque vous utiliserez votre pinceau à la prochaine session, quand vous le mouillerez. Ça permet de préserver le pinceau. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, une fois vos pinceaux rincés, l'idéal est de les poser à plat. Mais vous pouvez acheter un instrument qui coûte pas trop cher, qui s'appelle un pincelier, qui permet de maintenir vos pinceaux en position tête en bas et qui vont s'égoutter, et c'est la meilleure position pour conserver vos pinceaux. Car effectivement, l'eau va s'écouler en bas et ne va pas remonter le long de la virole. Nous avons donc terminé la finition des pièces du cockpit, et dans une prochaine vidéo, nous ferons le montage du cockpit avec la pose des décales et des harnais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Res Model ou sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.